La Chine a enregistré mercredi une augmentation du nombre de voyages de passagers alors que les vacances de 8 jours sont entrées dans leur deuxième moitié. Et selon les autorités, plus de 310 millions de passagers ont voyagé mercredi, le cinquième jour du Nouvel An chinois. Ce chiffre comprend 290 millions de trajets sur les routes et autoroutes du pays. Les autorités ferroviaires ont indiqué qu'il y avait eu 14,2 millions de voyages en train, le volume quotidien le plus élevé en pour les voyages en train depuis les débuts de la ruée des voyages le 26 janvier. Et pendant ce temps, les compagnies aériennes augmentent leur capacité dans la station balnéaire populaire de Sanya dans la province du Hainan et afin de répondre à la demande des passagers.